Tu entends, il est 11h. Donnez-moi Rome, 089-0171. Corso à l'appareil. En réponse à votre mouvement, le cavalier en fou 4. C'est ça, le cavalier en fou 4? Je déplace mon fou. Voyons, je mets le fou en reine 2. Entendu. Le fou en reine 2. Je vous remercie. Je voudrais Vienne. Le 6-2-4-5. 3-5. Cavalier en fou 4. Parfait, et puis, fou en reine 2. Bien, c'est noté, merci. Thank you.
mystérieux Jason King. Le briquet. Scénario, Philippe Bravet. Réalisation, Ward Baker. Il était ivre-mort à 5 heures du matin. Mais rappelez-le dans une heure. Je vous remercie. Ah, zut, qui cela peut-il être ? Monsieur King, il est plus de midi, vous savez, c'est une heure décente. À qui ai-je le plaisir? Nous nous connaissons. Vous ai-je promis quelque chose hier soir? Vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez fait hier soir? Non, vous aurais-je outragé? Rassurez-vous, nous nous voyons pour la première fois. Croyez que je le regrette. En dépit de mon état, je ressens une sorte de vibration et ça n'a rien à voir avec une sonnette d'alarme. Je m'appelle Karen, Karen Anderson. Entrez. Oh, ne pourriez-vous enlever ces poids qui rendent votre démarche si bruyante? Nous pouvons parler? Est-ce bien nécessaire? À voix basse. Puis-je vous offrir un verre? Non, merci. Asseyez-vous. Le parfait antidote à la gueule de bois. Votre main est d'une fraîcheur délicieuse. Votre réputation n'est pas surfaite, à ce que je vois. Mais quoi? Que voulez-vous dire? Le charmeur de jeunes filles en détresse. Vous savez, elles se font de plus en plus rares de nos jours. Mes activités se réduisent à la fréquentation d'armateurs grecs et mon charme n'a aucun effet sur les barils de scotch. Vous voyez le résultat. C'est en effet assez spectaculaire. Croyez-en mon expérience. Méfiez-vous des armateurs grecs. Je vous le promets, Jason. Parlons plutôt des fameux auteurs chers à toutes les femmes. Oh, ils sont très gentils en général, pourvu que leurs livres se vendent, que les critiques soient bonnes et la réédition assurée. Tout simplement. Tout simplement. Travaillez-vous sur un Markain? Vous ne lisez pas les journaux? Je viens d'en finir un. C'est ce qui explique cette semaine de débauche et l'état dans lequel je suis. Alors vous êtes libre pour quelque temps? J'ai la curieuse sensation que vous avez une suggestion à me faire. Ceci est un billet pour Naples demain matin. Naples? Vous y prendrez l'hélicoptère pour Capri. Je vous ai réservé une suite au Dauphin. N'est-ce pas légèrement prématuré? Est-ce que l'idée vous déplaît? Au contraire, elle m'enchante. Il faut que je parte, Jason. J'ai un avion à attraper. Hé! Hey, quel est votre nom, déjà? Karen Anderson. Une excentrique.
Entrez. Excusez-moi, Votre Altesse. Oui. Nous atterrissons à Rome dans 10 minutes. Embêtement. Signor? Café. Ma couverture. J'ai bien peur qu'elle soit fichue. Deux hommes en Mercedes m'ont suivi jusqu'à peu près 100 km d'ici. Et alors? Je les ai emmenés sur un chemin de traverse. Accident. Lui, aucun problème. Mais celui-ci s'est enfui. Il t'a échappé. Mauvais, très mauvais. Tu ne retournes pas à Vienne, hein? Non. Je dois prendre le prochain avion pour l'Espagne. Séparons-nous à présent. Je crois qu'il vaut mieux ne pas traîner par ici. Ça marche. Niente messaggio della signorina Anderson per me? Anderson. Karen Anderson. Vous en êtes certain? Je me fais l'effet d'un poussin abandonné par sa mère. Oh, niente, niente. Grazie. Pronto? Oui? Ah, où ça en est? Tu as reçu l'objet? Oui, je l'ai. Mais il y a eu un petit accrochage sur l'autostrade. Il va nous falloir de nouveaux transporteurs. Ah, cela a-t-il affecté votre livraison? Non, 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 non. Et tout se fera comme prévu, ne crains rien. Ah. Donne-moi un whisky. Et va dire à Enzio que j'ai besoin de lui. Allez, va, dépêche-toi. Ah, tout de même. Entrez. Oh. Et que se passe-t-il? Voudriez-vous me faire une grande faveur, Mark Ken? Voulez-vous me dédicacer votre bouquin? Mais je ne suis pas Mark Ken, je ne suis que Jason King seulement. Avez-vous un stylo? Oh, oui, oui, Signor Ken. Bien, quel est votre nom? Je m'appelle Pierre. Pierre? Jason King. Mark Kane. Ah oui. Ah, Pierre. Mais j'ai une amie. Elle s'appelle Daniela. Alors, si vous vouliez lui mettre quelque chose, ça lui ferait bien plaisir et ça me rendrait service. Vous voyez ça? Mark Kane? Aucune importance. Pour Daniela. Et voilà. Oh, merci. Merci beaucoup, Monsieur Kane. Non. Mark Kane, Jason King. Oui, oui, Monsieur Kane. Jason, bienvenue à Capri. Voulez-vous venir me retrouver au Pipistrello ce soir vers 10h30? J'ai hâte de vous revoir, Karen Anderson. Pipistrello.
Strello. Orso. Il a téléphoné. Mauvaise nouvelle. À quel point, Vittorio? Notre contact entre Vienne et Rome est complètement brûlé. Et Corso? Il dit qu'il s'en est tiré. Il va faire la livraison. Mais c'est très curieux. Je ne suis pas tranquille. Tu restes sur tes gardes cette nuit, Enzio. Surveille bien toutes les ombres. Ne craignez rien, Vittorio. Je ferai le nécessaire. Et assure-toi que personne ne t'a suivi. Fais bien attention que personne ne te suive. L'heure et l'endroit? 10 heures. Au pipistrello. Karen. Vous m'avez fait attendre, Jason. 3 minutes et 3 quarts. C'est à cause de ma moustache. Elle m'a donné un mal fou. Ça doit être le chlore de la piscine. Ça l'a rendue capricieuse. D'un autre côté, vous m'avez fait attendre 3 heures et 3 quarts. Je sais que la seule chose qui pique votre curiosité, c'est l'imprévu. Je sais aussi que vous aimez le champagne. J'exècre le manque de ponctualité. Oh? Chez les autres. Je m'en souviendrai. Mais j'admire l'audace, surtout chez une femme qui semble intelligente et qui en plus est très attrayante. L'êtes-vous? Quoi? Intelligente. N'est-ce pas ce que vous êtes venu découvrir? Pas tout à fait. Venons-en au fait. Pourquoi suis-je à Capri? Parce que je vous trouve irrésistible. Je n'ai pas bien entendu. Serait-ce une question? À part d'admirer ma soi-disant irrésistibilité, que faites-vous d'autre dans la vie? Écoutez, Jason. Je crois que nous en parlerons une autre fois, je suis pressée. Quoi, ça recommence? Oui, je dois vous emmener ailleurs. Où ailleurs? Au bar, celui qui nous tourne le dos. Doué, cognac. Quel plaisir de vous voir. Vous permettez que je m'assoie? Vous vous souvenez de moi, non? Je suis désolé, je ne me souviens pas. Mais même si nous avons été à l'école ensemble, vous avez bien mal choisi votre moment. C'est lui notre homme? Non, Vladimir. Lui, c'est Jason King, un écrivain décadent. Je pense qu'il nous a repérés. Il va se passer quelque chose, il va se faire mettre dehors. Nous allons perdre le contact. Qu'avez-vous fait de votre mémoire légendaire? Et vous me flattez. C'était il y a un an environ. Hein? Peut-être davantage. Nous nous sommes rencontrés à Rome. Malencontreuse rencontre. Signor King, vous ne vous souvenez pas de moi? C'était au bar du Grand Hôtel. Je vous ai dit que le moment était inopportun.
J'ai lu les mémoires d'Hector Berlioz dans l'avion. Les avez-vous lus? Signor King, vous ne vous souvenez pas de moi? Nous nous sommes rencontrés au bar Hilton. Nous avons longuement bavardé. Vous vous rappelez? Garçon, s'il vous plaît. Je crois que ce monsieur souffre de claustrophobie. Je suis désolé, mais il n'y a qu'une manière de le guérir. Mais laissez-moi! Non, mais ne me manquez pas. Une eau minérale, avec beaucoup de glace. Il est facile de vous impressionner. J'ai pensé que vous alliez le tuer. Non, il était tellement ivre qu'il est tombé tout seul. S'il avait été sobre, je n'aurais certainement pas été si brave. Êtes-vous pas curieux de savoir où je vous emmène, Jason? Non, je dois dire que j'apprécie l'instant présent. J'espère que vous continuerez. Puis-je avoir du feu? Je crois que j'ai pris votre briquet. Ce n'est pas le mien. En tout cas, ce n'est pas le mien non plus. Merci. Je me demande d'où je le tiens. Peut-être de cette folle nuit de débauche à Paris, la veille de ce matin, nous nous sommes connus. Méfiez-vous des armateurs grecs. Enzio était en retard. On m'avait repéré, alors que pouvais-je faire? N'importe quoi, excepté ce que tu as fait. Tu en es sûr? C'était Jason King? Absolument. Et c'est pourquoi je lui ai repassé le briquet. Mais ce sera facile de retrouver King. J'ai déjà vérifié où il est descendu. L'hôtel Dauphin. Et je vous l'amène, si vous voulez. Oh non, Corso, tu risques de te faire prendre. Ça va, c'est mal comme ça. Il ne faut pas tenter le diable. Tu vas repartir immédiatement pour Naples dès ce soir. Enzio t'apportera la somme convenue. Où es-tu? Dans une cabine téléphonique sur la route. Dans la Capri. Enzio va venir te rejoindre. Tu es sûr que tu n'as pas été suivi? Oui, oui, j'en suis sûr. Reste où tu es. Je vous prépare un verre, Jason? Avec plaisir. C'est très... bleu. Brandy? Oui, merci. Si vous voulez mettre un disque, allez-y, choisissez. J'aurais préféré que vous m'en fassiez la surprise, mais ce que vous préparez est trop important. Classique, 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 classique. Où avez-vous la sonate en fa? Merci. Ah oui, elle est là. À la suite de l'adagio, je crois. Avez-vous déjà entendu l'enregistre... Oh, mais je me parle tout seul. Karen? Karen? Oh, transformation à vue. Jason King. C'est pour moi un grand plaisir de vous trouver ici. Ce n'est rien en comparaison du mien. La dernière fois, c'était lors de Don Juan, je crois, à Paris. Vous aviez été absolument charmante envers une petite fille qui vous avait offert un bouquet de fleurs. Pas Don Juan, la flûte enchantée. Je ne me souviens que du compositeur. Vous aviez la troisième loge à côté de moi. La quatrième, mais nous étions séparés par un pilier. Vous et celle qui vous accompagnait. Oh, vous vous souvenez d'elle? Très bien. Elle semblait d'humeur assez maussade. Elle n'appréciait pas que je ne regarde que vous. Elle m'accusait même d'avoir posé le pilier. Je suis fascinée par vos livres. Mark Twain, je voulais tellement connaître son créateur. Mêler la fiction avec la réalité. Le moyen que j'ai employé pour vous rencontrer vous amuse-t-il? Il est irrésistible. Karen est ma confidente, la seule femme en qui j'ai confiance. Je me suis sentie tout de suite à l'aise avec vous. Voulez-vous me servir un brandy? Ma vie, Jason, se résume en formalité, en protocole. Ma dernière semaine à Rome, par exemple. Toutes ces cérémonies terriblement ennuyeuses, j'en arrive à oublier que je suis une femme. À quoi songez-vous? Je me disais que Mark Twain ne croirait pas un mot de tout ça. Avez-vous parlé de brandy? Je n'étais pas en retard, j'ai été retardé, c'est différent. Quand je suis arrivé, Corso faisait son numéro et j'ignorais où il voulait en venir. Il était repéré, surveillé. Et c'est pourquoi il a mis les briquets dans la poche de Jason King.
Corso a mis l'organisation en danger. Il a manqué à ses engagements envers vous, Vittorio. Tu as beaucoup de travail à faire cette nuit, Enzio. Un énorme travail. Non, j'habite avec la Contessa di Bertini. Karen a loué cette villa. C'est une amie très précieuse. Oh oui, elle l'est, en effet. Vous restez combien de temps? Oh, ce sera court. Mais j'espère que durant mon séjour, je pourrai passer quelques heures agréables ici, avec vous, Jason. Première partie de l'opération réussie. Bien. Fais bien attention à la seconde. Oh, vous ne prenez donc rien au sérieux, Jason. La comédie, ça, c'est une chose sérieuse. Vous prêtez à marquer d'un esprit vraiment étonnant. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Vous savez, parfois, j'aimerais beaucoup qu'il me le rende. C'est un début parfait, mon cher. Quand commençons-nous? Le chapitre 1. Demain. La nuit ne vous inspire-t-elle pas? Mais nous nous connaissons à peine, Jason. Rien ne compte que le présent. Je vous reverrai demain, Jason. Sur la plage, au pied de la falaise, nous n'y serons pas dérangés. Nous pourrions peut-être pique-niquer. Fête païenne ou civilisée. Quelques tomates bien mûres et un fromage local, une vraie merveille. Du Chianti rafraîchi dans la mer. Ou préférez-vous des fraises importées et du champagne? Je préfère le fromage. Je serai une belle princesse païenne, et cela dès 11h du matin. À la princesse païenne. Que ce soit le sien. La marque, idiot. Et pourtant, tu connaissais le modèle. J'ai cru qu'ils avaient peut-être fait une substitution à la dernière minute. J'ai pris le risque. Je vous le jure, il n'y en avait pas d'autre. Je vous prie de me croire, il n'y en avait pas d'autre. Croyez-moi, Vittorio. J'espère que tu as fait ce qu'il fallait, hein. Il faut que King pense qu'en rentrant, il a interrompu un malheureux voleur. J'ai tout ici. J'ai 100 000 livres que j'ai trouvées dans son portefeuille. J'ai retourné la chambre à l'envers. Il ne soupçonnera rien d'autre. Non, il n'a pas jeté le briquet, ça j'en suis sûr. Il était tout neuf. Je suis certain de ce que j'ai dit. Alors, où est-il? Il n'y a que King qui puisse vous répondre. Écoutez, Vittorio. C'est une petite île ici. Ça doit fourmiller d'agents de toutes sortes, de tueurs. Si nous continuons, si vous vous entêtez, il y a de grandes chances qu'ils finissent par vous trouver. Je ne m'en fais pas pour moi, je vous assure, mais pour vous. Je suis très touché de l'intérêt que tu me portes, Enzio. Mais nous irons jusqu'au bout de cette affaire. Oui, jusqu'au bout. Ce sera mon plus beau coup. Les Américains me donneront des millions pour ça, des millions. Après, j'arrêterai tout. Je me retirerai, d'accord.
mais seulement après avoir réussi. Rien entendu, rien ni personne n'arrivera à m'arrêter. Est-ce que c'est clair, Pantaenzio? Il est midi passé. Si je téléphonais à l'hôtel, il n'en est pas question. Quand je pense à mes discours, il a bien dû s'amuser. Je me suis jetée à sa tête. C'est de ma faute. Je me suis montrée stupide, Karen. Bien des choses ont pu se passer. Peut-être que M. King a de bonnes raisons, une explication. Oh oui, je n'ai aucun doute là-dessus. Une chose est certaine, je ne serai pas là pour les entendre. Voulez-vous que je l'attende et que je lui parle? Non. Il est déjà bien trop arrogant. Il a bien besoin d'une leçon. Tranquille, voyons. Que s'est-il passé? Vous avez reçu un coup sur la tête. Et vous avez fait une commotion. Quoi? Votre chambre a été cambriolée, c'est ce que nous a dit la police. Ils pensent que c'est le voleur qui vous a assommé. Pourquoi? Bien sûr, vous ne vous souvenez pas, signor. Vous avez une commotion. On dirait qu'il fait jour dehors. Où est ma montre? Quelle heure est-il, mademoiselle? Il est 1 heure. 1 heure, c'est impossible. J'ai un rendez-vous à... Je suis en retard. Mais vous devez garder la chambre, signor. Vous êtes commotionné. Ah, je l'étais, cher enfant. Je l'étais. Voulez-vous... Ah, auriez-vous l'amabilité de me donner mes vêtements? Mais voyons, restez tranquille. Oh, mes vêtements, s'il vous plaît. Mais vous ne pouvez pas sortir comme ça. Oh, non. Les turbans sont tout à fait bannis cette saison. Oh, mais vous ne pouvez pas faire ça, signor. Il faut d'abord voir le docteur. Oh, à la dextra. Mettez les mains sur la tête. Cela vous ennuierait-il que je les laisse comme ça? Je crois que j'ai... une commotion en retardement. Ok, Signor King. Retournez-vous. Si vous insistez, mais je préférerais nous servir un verre. Pourquoi faites-vous cela? J'ai déjà été cambriolé hier soir. D'accord, regardez-moi. Est-ce nécessaire? Face à moi! Mais voyons, je ne vois pas ce que vous voulez. Vous étiez au Pipistrello hier soir. Un briquet a été glissé dans votre poche. Où est-il? Oh, je suis content que vous me parliez de ça. Et vous savez, cela m'a bien ennuyé. J'ai été tout de suite le porté au commissariat. Où est-il? Il ne semblait pas avoir une grande valeur. Oh, peut-être était-ce sentimental. Autrefois, j'ai eu un briquet historique. Il avait appartenu à la fille d'une des maîtresses de Mussolini. J'ai dû le perdre lors d'une visite au Vatican. Voyant un cardinal, je lui ai dit, auriez-vous vu un briquet? Vous savez, briquet, feu, lumière. Ah, dit-il, la loupe, mais si, Signor King, je suis catholique. Très drôle. Je ne l'ai jamais retrouvé. Ça suffit, Signor King. Vous allez m'écouter à présent. Où qu'il soit, vous allez retrouver ce briquet. Et vous me le rendrez. Sinon, signor,
Vous ne quitterez pas cette île vivant, j'en fais mon affaire. Je vous téléphonerai ce soir à votre hôtel, à 9h. À 9h, je vous conseille d'y être. Je ne sais vraiment pas où est allé le Sr. King. Nous avons cru comprendre qu'il était blessé. Oh, ce n'était qu'une commotion, il est parti de lui-même. A-t-il eu des visites? Non, il est resté que quelques heures. Sitôt qu'il a repris conscience, il a demandé ses vêtements. A-t-il dit quelque chose? Il avait l'air embêté qu'il soit si tard. Écoutez, je ne peux répondre à ces questions. Vous devriez aller voir le docteur. Oui, oui, bien sûr. Mais nous sommes de vieux amis. Je suis désolée, mais je dois vous demander de partir. Oui, j'avais compris. Est-ce qu'on lui aurait téléphoné? Autant que je le sache, non. Je vais appeler l'infirmière en chef. Nous partons, mademoiselle. Merci. Allô? Bonjour. Bonjour, qui est à l'appareil? Puis-je parler à Monsieur King, je vous prie? Je suis désolée, il est parti. Comment ça, il est parti? Sans l'avis du médecin. Si vous voulez en savoir davantage, je ne peux vous dire que ce que j'ai dit à ses deux autres amis, parlez à son médecin. Qu'est-ce que vous avez dit au médecin? Excusez-moi, mais je ne peux pas continuer cette conversation. Au revoir. Alors, Jason, vous êtes finalement venu. Que s'est-il passé? Étiez-vous quelque part à la recherche d'un armateur grec? Jason? La princesse Vania n'était pas de très bonne humeur ce matin à l'horreur du lapin. Jason? Êtes-vous malade? Vous n'avez pas l'air en forme. Oh, je sors de l'hôpital. Oh, Jason! Donnez-moi votre main. Doucement. Vous avez eu une énorme bosse. La flatterie ne vous conduira nulle part. Que s'est-il passé? Eh bien, j'ai été brutalement attaqué. Qu'est-il advenu de ce briquet? Je pensais qu'il était à vous et je crois l'avoir laissé ici hier soir. Oui, je l'avais emmené ce matin. J'allais vous le donner, seulement je n'étais pas certaine que vous reviendriez. Que faites-vous de mon insatiable curiosité? À propos de quoi? À propos de vous. Et d'une ou deux autres petites choses. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils nous ennuient avec leurs clés. Je vous en prie, messieurs, ne vous dérangez pas. Vous venez peut-être m'apporter les excuses de mon visiteur nocturne. Non, King. C'est beaucoup plus important que cela. C'est au niveau international. Nous avons vu la bagarre au Pipistrello. C'est relié à votre accident, à votre visiteur nocturne. Laissez-moi vous expliquer. Je crois que je vais poursuivre vos deux gouvernements pour coups et blessures. Puis-je voir ceci, s'il vous plaît? Je n'ai pourtant rien fait pour être mêlé à tout ça. Merci, King. Puis-je savoir quelles sont vos déductions? Eh bien, si j'étais Mark Kane, j'aurais dit que vous, Hazel, vous faites partie de l'intelligence service. Et vous? Oui, indubitablement, du service secret russe. Et si je voulais être plus incisif, je dirais que vous êtes de connivence. Et bien entendu, j'aurais enlevé le film, si j'étais Mark Kane. Le film n'a aucune importance. Je vous demande pardon. C'est un appât, préparé dans un but bien défini. La raison? Afin d'avoir la pieuvre. Vous cherchez une pieuvre? La pieuvre, c'est exact, la pieuvre. Vous, King, vous en avez sans doute entendu parler. Mais je ne crois pas que Mark Kane le connaisse.
La Piovra existe et est on ne peut plus réelle. Ses agents opèrent contre toutes les grandes puissances. Et aussi pour toutes les grandes puissances. Maintenant, il faut absolument en finir. Avec votre collaboration, King, nous pouvons terminer beaucoup plus rapidement. Mais si je ne rends pas ceci, je risque de me retrouver avec plus qu'une bosse sur la tête. Excellent. Suivez leurs instructions, rendez-le à la pieuvre. Et nous saurons qui est à la tête, enfin qui est la pieuvre. Alors, tu l'as suivi jusqu'à cette ville-là, sur les falaises. Tu l'as entendu parler au téléphone à cette femme, Karen. Il l'a aussi appelée princesse. Donc, il a dit qu'il espérait sa visite à la villa. Tu aurais dû attendre. Il aura peut-être donné le briquet à cette fille. J'ai fait ce que vous m'avez dit, Vittorio. La femme, la villa, c'est très intéressant. J'ai vu ce Jason King dans les journaux plusieurs fois. Toujours avec une fille différente. Enzio. Nous allons travailler tous les deux là-dessus, Enzio. Sors le bateau et tiens-le prêt. Si mes soupçons sont exacts, nous quitterons Capri cette nuit. Mais quand je vais l'appeler, qu'est-ce que je vais lui dire? Tu n'auras qu'à lui demander s'il a le briquet sur lui. Hein? Et dis-lui bien qu'il recevra les instructions finales demain matin, à 10 heures. Je ne suis pas en retard. Je n'ai rien dit. Comment va votre tête? Enflée. Si, si, je vous assure. J'espère que son Altesse royale n'est plus en colère. Plus du tout. Et je dois vous prévenir qu'elle vous fera le plaisir de venir à la villa dès qu'elle aura dîné avec la comtesse. Cela veut dire à quelle heure? Environ 11 heures. Oh. Que se passe-t-il? Il y a certains impondérables qui compliquent beaucoup ma vie en ce moment. Jason, vous êtes affreusement pervers. Oh, ce n'est pas ça du tout. Au contraire, je suis bien assez occupé avec vous deux. Je pourrais difficilement m'occuper d'une autre. Alors, qu'est-ce qui est si compliqué? Ce n'est pas compliqué, c'est que j'ignore comment j'ai été mêlé à tout ça. Je dois partir. Oh! Je suis en retard. C'est contagieux. Vous comprenez comment j'aime ça. Que dirais-je à Vania? Je la retrouverai après dîner. Mal élevé. D'accord. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit. Vous recevrez les dernières instructions demain matin, à 10 heures. Compris. Dernières instructions demain, à 10 heures. Le rendez-vous semble presque vous ravir, King. C'est que justement, j'en avais un autre. Ce soir. Jason. J'ai été tellement désappointé de ne pas vous voir ce matin. J'ai eu de petits ennuis. Je croyais que vous aviez dit à Karen que j'étais un arrogant, qu'il fallait une leçon. Oui, mais pas à coups de poing sur la tête. Avez-vous encore très mal? Ah, c'est effroyable. Vous devriez rester couché. Oui. Vous avez raison. Voudriez-vous me donner mon brandy? Ne craignez-vous pas que ce soit pire encore? Recommandé par la faculté. Demain? Pique-nique? Demain, Jason? N'est-ce pas vous, chérie, qui disiez rien ne vaut le présent? C'est tout à fait dans votre style, Signor King, de choisir un endroit aussi isolé que celui-ci pour un rendez-vous. Ce n'est pas l'entrée de service, Signor Piovra. Piovra? Alors vous connaissez mon nom. Malheureusement, je n'ai pas votre petit briquet. Le rendez-vous était pour demain matin à 10 heures. Il est à l'hôtel. Dans ce cas, cette jeune dame va rester ici avec moi. Jusqu'à ce que vous reveniez avec Enzio. Et si quelque chose devait arriver, eh bien, songez à la jeune dame. Qu'y a-t-il, Jason? Que se passe-t-il? Tout va bien. C'est une question d'objectivité. Ces messieurs sont dans l'erreur.
Vous n'êtes pas en position d'affirmer quoi que ce soit, Signor King. Vous non plus, croyez-moi. Depuis que j'ai quitté l'hôpital, j'ai été suivi par des agents du contre-espionnage qui n'attendaient que cela. Ils m'ont suivi ici ce soir. Dans ce cas, pourquoi ne vous ont-ils pas pris le briquet? Pour vous tendre un piège, puis-je avoir du feu? Tout a été combiné. Délibérément. Pour votre agent au Kremlin. Non, c'est à vous qu'ils en ont. Et j'ai bien peur que vous ayez mordu à l'hameçon. Je pense que si vous en savez tant, King, c'est parce que vous collaborez avec ces hommes. Hein? Et si vous collaborez avec eux, pourquoi vous auraient-ils suivi jusqu'à cette maison? C'est facile à savoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sortir et de regarder. Va voir dehors. Regarde dans le jardin. Et quoi que tu aperçoives, tu peux tirer. Personne, Vittorio. Il n'y a rien du tout. Dites-lui de jeter son arme. Laisse tomber, Enzio. Lâche ses revolvers. Très bien. J'ai l'assurance que Vania ne sera pas impliquée et qu'il n'y aura pas de publicité autour d'elle. J'ai besoin d'un verre. Camarière, le whisky. Vous vous rendez compte, bien sûr, que Vania ne voudra jamais plus vous voir. Quoi? Pourquoi? Oh, avouez que vous vous mettez dans de drôles de situations, Jésus. Ça n'avait rien à voir avec moi. Saviez-vous qu'elle avait un revolver dans son sac à main? Que fait ce garçon? C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Des billets. Mais oui, je vois. Mais pour où? Les Indes. Oui, mais il y en a deux. Je vous accompagne.